Si t'étais dans One Piece et que tu pouvais manger un fruit du démon, t'aimerais avoir quoi comme pouvoir? Oh, je dirais comme Luffy, avoir tous les membres qui s'allongent. Histoire Ouais, je suis pas con, hein. non, mais je vois genre. Après, l'histoire ne dit pas s'il peut avoir une érection. Ah, Mais tu penses qu'il peut avoir ah bah, une molle très bah, longue? plus c'est long, plus le sang il a du mal à arriver au bout du zob. Hein. Ça, c'est Putain, connu. ça voudrait dire que si jamais j'ai une érection, mes 5 litres de sang ils vont dans ma bite et je meurs du coup. Ça, à mon avis, c'est possible. Aujourd'hui chez Bryce Corp, on va jeter un œil à ces figurines et statuettes de collection One Piece et Naruto. Vu que c'est des pièces plutôt récentes, je ne vais pas avoir grand-chose à dire, c'est pourquoi il va y avoir beaucoup de musique. Mais juste une petite info, regardez ces figurines là. Ce que vous voyez là, c'est un diorama qui a été demandé, qui a été commandé à Eiichiro Oda. Il a fait un dessin exclusif à la demande de Bandai et Tamashii-Nation. Et de ce dessin, les équipes de Bandai et Tamashii-Nation ont fait ce diorama qui est magnifique. C'était pour les 20 ans de One Piece. Voilà, maintenant, regardez toutes ces statuettes. C'est ouf, cette collection est ouf. Abonnez-vous à Bryce Corp sur Instagram et puis regardez ces belles images. Une très belle collection One Piece, mais maintenant voici des pièces de Naruto, de très jolies pièces, dont des pièces de chez Tsume. Vous allez voir, il y a quelques statuettes et on parlera à la fin de l'émission d'une statuette en particulier. Thank you.
Voilà, et cette statuette de Gaara que vous voyez, c'est la première statuette de chez Tsume. Elle a été faite à 400 exemplaires et aujourd'hui elle est très 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 rare. Voilà, merci de nous avoir suivis, à très bientôt. Abonnez-vous à l'Instagram de Bryce Corp. Et puis à celui de Thomas et au mien aussi, hein, tant qu'on y est, hein, pourquoi pas. Et puis en MP, vous pouvez lui dire « Hey, j'habite Toulouse et j'ai 300 mètres carrés et j'aimerais bien que ta collection elle vienne là. Ça serait trop bien, on pourrait faire un restaurant. » Et lui, il va te faire « Trop bien, génial, on fait des bisous, ok. » Ou des trucs comme ça. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, continuez à regarder nos émissions et puis continuez à collectionner, c'est très bien. Ciao. Je me gratte parce qu'il y a des moustiques. Alors, ça me pique. Si je mangeais un fruit du démon, comme pouvoir, ce que je demanderais, ça serait de pouvoir respirer sous l'eau. T'es con parce que quand tu. Enfin, quand tu prends un fruit du démon, tu peux plus nager. Tu deviens une enclume, tu coules quoi. Bah oui, justement. Tous les gens dans One Piece ils meurent quand ils vont dans l'eau. Sauf que moi, mon pouvoir, ça c'est de respirer sous l'eau. Donc je tomberai au fond de l'eau, mais je mourrai pas. Malin. Enfin, t'es con, faut pas prendre de pouvoir, quitte à faire ça. Comme ça, tu tombes dans l'eau, tu nages, t'es tranquille et. Quitte à pas avoir de pouvoir, parce que t'as... hors de l'eau, t'as pas de pouvoir. T'as de pouvoir que dans l'eau. Si tu coules dans l'eau, t'es tout seul à respirer comme un con. T'as un pouvoir, j'ai un pouvoir, j'aspire, t'es tout seul. Oh, 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 moi tout ce que je vois c'est que t'es une grosse jalouse et que t'avais pas eu l'idée et du coup t'es énervé et tu dis que c'est une mauvaise idée parce que tu penses que t'avais pas eu l'idée. Mais moi je pense que c'est une bonne idée. Alors ta gueule. Allez, mets-moi un bon gros pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne et touche-moi la cloche pour louper aucune vidéo. Et si tu as envie qu'on se penche sur un sujet précis, que ce soit console de jeu ou jouet, demande dans les coms. Allez, bisous.